Le centre a été inauguré, je crois, en 1982. Et depuis quelques années, ça ne cesse de s'améliorer au niveau infrastructure, au niveau des pistes, des box. On est en train progressivement de refaire l'ensemble des box. Il y a encore plus de sécurité au niveau du centre. On a fait des travaux assez importants sur les pistes de Quimper qui en avaient grandement besoin. Ce qui nous permet aujourd'hui de travailler dans de très bonnes conditions. C'est un bel outil de travail, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. On est bien, déjà on a le soleil déjà dans ce centre. Voilà, des pistes vraiment magnifiques. On a la chance d'avoir l'eau qui ne nous coûte pas très cher, un très bon système d'arrosage, et ça nous permet d'avoir des gazons en parfait état toute l'année. Sincèrement, les pistes sont parfaites, que ce soit piste en sable et PSF qui a été construite il y a 5-6 ans. Notre centre est devenu très très compétitif. On a une piste en anneau de 1300 mètres de tour, une grande piste qui fait à peu près 3000 mètres de tour, avec deux montées, main gauche et main droite, une de 16 et une de 1700 mètres. Pareillement pour le gazon, on peut travailler sur le gazon aussi bien dans la piste ronde. On a de la chance d'avoir les promenades un peu à l'extérieur de la piste, donc du coup les chevaux ils peuvent aller se détendre. Toutes les promenades ont été munies d'un arrosage automatique, ça fait qu'il n'y a plus aucune poussière. Il y a des ronds de débourrage, il y a des manèges pour se faire sauter les chevaux. Non, non, on est top. On a la chance de travailler avec des gens qui sont à l'écoute. Donc si vous voulez, on a les professionnels sont souvent, on leur demande souvent leur avis. Et finalement, je pense qu'on a fait évoluer le centre dans le bon sens. Il y a un bon vivier de propriétaires du Sud-Est et qui sont contents de venir le samedi matin à Calas. J'y trouve beaucoup de choses favorables et je m'y plais et je voulais vraiment développer mon activité ici.